Dans un passé lointain, les cavaliers s'élançaient à travers Jiangyuan. Les vêtements de ces skitai nomades ont influencé notre style unique. Sangyuhago est une expression qui signifie porter un style de haut appelé jogori avec un pantalon. Bien que le style se soit diversifié au cours des siècles, la tradition distincte selon laquelle hommes et femmes portent des pantalons a été transmise depuis les temps anciens. Aussi, convenant à un mode de vie sédentaire, les bas étaient de forme ample. Sangbakhao signifie porter le haut ajusté et le bas volumineux. Les vêtements traditionnels uniques du peuple coréen, c'est bien le hanbok. Utilisant des teintures naturelles, le hanbok existe dans toute une variété de couleurs. Le hanbok, notre tenue traditionnelle, a été créé avec un désir de santé et de bonheur. Plutôt que d'être taillé serré, le hanbok est conçu pour s'enrouler naturellement autour du corps. Le plus important était le confort de la personne qui le portait. De plus, la combinaison de courbes et de lignes droites dans la forme du hanbok incarne les valeurs de nos ancêtres qui soulignaient l'harmonie. Comme le climat de la péninsule coréenne comprend quatre saisons, diverses formes de hanbok se sont développées. Une variété d'accessoires et d'ornements était utilisée pour ajouter de l'individualité. Aujourd'hui, le hanbok est porté pour toutes les occasions importantes, comme les premiers anniversaires, les cérémonies de passage à l'âge adulte, les mariages et les funérailles. Il est considéré comme un costume traditionnel coréen et sert de tenue de cérémonie. Les hanbok modernes sont apparus, utilisant l'aspect pratique et élégant inhérent au hanbok, tout en réinterprétant les traditions sous un nouvel angle. Brisant l'idée reçue que les vêtements traditionnels sont démodés, le hanbok est apprécié comme un vêtement confortable et élégant qui exprime la sensibilité et l'esthétique du peuple coréen. Thank you.